Chers téléspectateurs, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Merci de suivre votre émission Santé et bien-être. Nous recevons aujourd'hui professeur Cissé Lassina. Il est pédiatre et chef de service de pédiatrie au CHU de Trècheville pour parler d'un sujet se référant aux enfants, aux nouveau-nés. Aujourd'hui, nous nous intéressons aux nouveau-nés de mère diabétique. Et vous allez savoir pourquoi d'ici peu. Professeur, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Merci. Avec ce thème, nous devinons tout de suite qu'il y a problème. Alors, comment définir le nouveau-né de mère diabétique? Ok. C'est un nouveau-né dont la maman est diabétique. Oui. Voilà, c'est-à-dire que le diabète de la mère est un facteur de risque pour ce nouveau-né. D'accord. Et ça en fait un nouveau-né à risque. Voilà, c'est un nouveau-né donc dont la mère est diabétique. Que le diabète soit avant la grossesse, découvert avant la grossesse ou bien pendant la grossesse, qu'on appelle diabète gestationnel. C'est ce qu'on appelle le nouveau-né de mère diabétique. Alors, qu'est-ce que ça pose comme problématique en termes d'ampleur dans notre pays? Ok, je ne vais pas me lancer dans des chiffres, mais sachez que c'est fréquent, c'est assez fréquemment rencontré, et toutes les grossesses qui sont suivies, malheureusement, souvent, malheureusement, je dis bien, on ne fait pas tous les bilans. Voilà, sinon, il y a une bonne proportion de dames qui ont des diabètes gestationnels et qui n'est pas dépisté. Et c'est seulement à la naissance, lorsqu'on voit l'enfant, ou bien devant un accident, qu'on va penser au diabète. Et donc, c'est un facteur, un grand facteur de mortalité des nouveau-nés et aussi de morbidité. Morbidité, ça veut dire que l'enfant peut naître avec des maladies. Voilà. Alors, comment reconnaître donc qu'un nouveau-né peut présenter des problèmes là, du fait de la situation diabétique de sa mère? Voilà. Donc, la première des choses, c'est que c'est un nouveau-né qui naît trop gros. D'accord. À la différence de ce qu'on a vu les semaines passées, du prématuré, de l'hypotrophe, ici, c'est un nouveau-né qui est trop gros. Il est trop gros, il a plus de 4 kilos. Voilà. Et quand on voit cela, ça ne veut pas dire que tous les nouveaux-nés qui ont plus de 4 kilos, leurs mamans sont diabétiques, mais ça veut dire qu'il faut qu'on fasse attention. Dès qu'on découvre qu'un nouveau-né a plus de 4 kilos, on va poser des questions, on va regarder le nouveau-né encore, parce que cliniquement, il peut présenter certains signes qui vont nous orienter vers le diabète. Donc, il faut bien examiner l'enfant. Et puis, celui qui a une mère qui n'est pas diabétique n'a pas les mêmes conséquences. Donc, quand on pense au diabète, il faut encore examiner l'enfant de façon plus approfondie. Alors, sous nos tropiques, lorsqu'une mère donne naissance à son bébé et qu'il a un fort poids, il a 4 kilos et même plus, c'est une satisfaction un peu pour la maman qui est heureuse d'avoir fait un gros bébé. C'est un plaisir pour ceux qui observent le bébé, qui l'apprécient. Et pourtant, un fort poids, comme vous venez de dire, n'est pas forcément signe de bonne santé. Tout à fait. Et vous avez parfaitement raison. Et c'est à juste titre que ceux-là, nous, on les appelle des géants aux pieds d'argile. D'accord. Hein, ils sont gros, ils sont beaux à voir, mais ils sont très fragiles. Ils ont leur côté très faible qui peut vous faire précipiter l'enfant vers la mort très, très vite si vous ne faites pas attention. Concrètement, que risque-t-il avant d'en arriver à la mort? Ils doivent avoir d'autres conséquences. Tout à fait. Bon, il y a des conséquences qui sont liées au diabète même. Et puis, il y a des conséquences qui sont liées à son poids. D'accord. Le diabète, du fait du diabète, bon, on ne va pas entrer dans des considérations, j'allais dire, pure médecine, mais il faut savoir que c'est un enfant qui est gros. Et comme il est gros, il a des surcharges au niveau du foie, des surcharges au niveau de son cœur, des surcharges au niveau de son cerveau. Et donc, c'est un enfant qui est en danger. Du fait, ça, c'est du fait même du diabète. Et comme il naît gros, l'accouchement va être difficile. Et si l'accouchement est difficile, c'est un enfant qui peut s'en sortir avec une souffrance du cerveau ou bien des autres organes. Il peut aussi, quelquefois, on va forcer à le faire sortir, il va avoir des fractures. Il peut avoir des fractures. Et aussi, c'est un enfant qui est sujet à faire des malformations. Ces malformations-là peuvent être liées, surtout liées à la maladie diabétique. Et enfin, ce sont des sujets qui font beaucoup d'infections.
D'accord. Mais voilà. Docteur, vous avez tout à l'heure dit qu'avec ce poids-là, lorsque ces enfants doivent sortir, ils peuvent avoir des fractures. Est-ce qu'avec un poids élevé, puisqu'on a au moins ce poids avant la naissance, avec la dernière échographie, par exemple, que la mère aura à faire, est-ce que quand c'est comme ça, on n'opte pas immédiatement pour une césarienne plutôt qu'un accouchement à voix basse? Oui, en tout cas, si la dame est venue à l'hôpital, oui, si elle est venue encore à l'hôpital à temps, si elle est venue dans le bon hôpital, c'est ça, parce que tout cela est en jeu, et quelquefois, malheureusement, elle donne naissance, comme je vous ai dit au départ, que c'est une grossesse à risque. Comme c'est une grossesse à risque, normalement, ça ne doit pas être suivi dans les maternités. Ça doit être suivi dans des CHL, dans des CHU, dans des hôpitaux généraux, là où il y a un bloc opératoire. Mais ce n'est pas souvent le cas. Et d'ailleurs, quand vous regardez le taux de césarienne en Côte d'Ivoire, ce n'est que 3,3%. Or, l'OMS dit que si on n'atteint pas les 5 à 15%, c'est qu'on n'a pas un bon système. Voilà. C'est toutes ces dames-là qui devaient mettre leur enfant au monde dans des CHU, dans des, là où on peut faire des césariennes, malheureusement, n'y arrivent pas et vont donner des naissances aux enfants à des endroits inappropriés, ce qui va encore augmenter les risques, soit de décès ou bien de séquelles graves. Aussi bien de la mère, hein, que oui, de l'enfant que de la mère bien elle-même. Sûr, bien sûr. Donc il est important de sensibiliser sur ce phénomène afin que le premier réflexe, ça soit de s'orienter vers des officines spécialisées. Encore faudrait-il aussi que le personnel, hein, soignant, puisse orienter convenablement aussi les populations. Oui, bon. On ne peut pas tout prendre en charge, fait, il ne faut pas se lancer des défis. Effectivement, vous avez parfaitement raison. Et c'est ce que nous disons, chacun doit savoir ses limites. Voilà, on doit savoir ses limites. Lorsque vous découvrez, vous êtes dans un établissement de premier contact, que vous découvrez une dame qui a un diabète, vous ne devez plus suivre cette dame-là. Il faut la référer dans un endroit où on peut prendre la maman et son enfant en charge, et notamment où on peut faire une césarienne. Ça, c'est indéniable. Il y avait une question qui concernait les risques. Oui. Ça, il faut qu'on en parle aussi. C'est l'un des grands risques qui fait que, comme nous l'avons dit tantôt, que ce sont des géants au pied d'argile, en fait, ils font beaucoup d'hypoglycémie. C'est-à-dire, le taux de sucre dans le sang diminue trop vite. Et c'est des enfants, à cause de ce fait-là, qui vont mourir très facilement si on ne leur donne pas à manger rapidement, de façon convenable. D'accord. Chers téléspectateurs, assalamu alaikum. Merci de rester toujours fidèle à votre émission Santé et Bien-être qui aujourd'hui s'intéresse aux nouveau-nés de mère diabétique avec comme invité professeur Cissé Lassina, pédiatre et chef de service à pédiatrie du CHU de Trècheville. Professeur, nous poursuivons cet entretien toujours pour aborder dans le sens des risques. Oui, donc les grands risques. C'est déjà, on va dire, le risque métabolique qui est l'hypoglycémie. Ça, c'est un risque qu'il court, qui est très, très difficile et qui est très, très dangereux, aussi bien pour leur survie, mais surtout pour les séquelles qu'ils peuvent avoir. Donc ça, c'est une première chose. Les risques de malformation, nous l'avons dit. Des risques aussi de traumatisme à l'accouchement, que ce soit des fractures, que ce soit des élongations. Vous avez l'enfant naît, mais il n'arrive pas à bouger un des membres. Voilà, ça peut être lié au fait qu'il est trop gros pour sortir. Et aussi les infections. Donc, ces quatre catégories de risques-là, il faut pouvoir les maîtriser. Les agents de santé doivent en être conscients pour qu'ils organisent la prise en charge. Parce que sinon, cet enfant qui était beau à voir, qui avait toutes les caractéristiques d'un enfant normal, peut être fauché par la mort du fait qu'on n'a pas été trop vigilant. Alors, comment se fait cette prise en charge? Voilà, donc immédiatement, c'est que si l'enfant n'a pas d'autres gros problèmes, c'est qu'il faut les mettre dans les 30 à une heure au sein, il faut les mettre au sein rapidement. D'accord. Et leur donner le sein, et cela peut nous éviter l'hypoglycémie. Et puis ensuite, il faut que la sage-femme ou bien le médecin qui voit l'enfant recherche les malformations. Il y a des malformations qu'on peut voir, mais il y a des malformations cachées, mais notamment des malformations du cœur qu'ils ont souvent. Il faut aller les rechercher. Quand on les a mis en évidence, on les prendra de façon plus convenable. Il faut aussi, comme tous les autres nouveau-nés, éviter les infections. Donc, par une bonne hygiène des mains, cela est très important. Et puis, bon, bien sûr,
il faut aussi voir si ces enfants n'ont pas de traumatisme obstétrical. Vraiment, j'insiste sur ces traumatismes. Quelquefois, c'est quoi le traumatisme en fait, du fait de la difficulté d'accouchement, l'enfant va avoir certains traumatismes. Il peut avoir des fractures des os, comme la fracture de la clavicule, élongation du plexus brachial. Il peut avoir même des fractures au niveau des os du crâne. Donc, enfin, il faut vraiment l'examiner pour cela. Alors, docteur, tout à l'heure, professeur, vous avez dit qu'il faut le mettre immédiatement au lait. La mère, elle est diabétique. Est-ce que ça ne constitue pas un risque que de l'alimenter à ce lait de la maman? Non, aucun risque sur ce plan-là. Aucun risque. D'accord. Alors, nous allons parler de prévention, car nous sommes pratiquement au terme de notre entretien. Comment prévenir tous ces incidents, ce surpoids, je vais dire ce gros poids, voilà, parce qu'à leur niveau, on ne parle pas de surpoids. On a déjà dépassé ça souvent. Oui, ah bon, oui. D'accord. Donc moi, je préfère dire ce grand poids, voilà, au niveau, donc, lorsqu'il a une mère diabétique, la prévention. En fait, le tout clé ici, c'est que toutes les mères qui se connaissent diabétiques doivent faire l'objet d'une surveillance. Et notamment, le moment de faire enfant, ça doit se discuter avec votre endocrinologue ou bien votre gynécologue. Okay. Voilà. Au moment où vous êtes en période de déséquilibre du diabète, ce n'est pas un bon moment pour enfanter. Ça, c'est un premier fait. Donc, il faut que le diabète soit maîtrisé avant qu'on le fasse. Maintenant, pour toutes les autres qui ne connaissent pas leur statut, c'est un appel pour qu'on fasse les consultations prénatales. Okay. Et si on fait les consultations prénatales, le corollaire, ce sont les bilans qu'on demande là. Il faut les faire. Okay. Si on ne les fait pas, on ne peut pas savoir. Voilà. Et donc, quelquefois, on ne fait pas les bilans, on ne va pas à l'hôpital. C'est même le jour de la naissance qu'on va prendre contact avec l'hôpital et cela peut être préjudiciable pour le nouveau-né. Merci infiniment, professeur Cissé Lassina, pour toutes ces informations sur les cas de nouveau-nés de mères diabétiques. Chers téléspectateurs, c'est sur ces notes, sur ces conseils que prend fin santé et bien-être de ce jour, tout en espérant que nous allons entourer tous nos bébés d'une forte attention et surtout que nous allons garder un contact étroit avec les pédiatres pour qu'ils suivent de la meilleure des manières nos enfants. Nous vous disons au revoir et nous prions Allah subhanahu wa ta'ala afin qu'il nous donne à tous une très bonne santé. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.